Ok. Bon, alors du coup, comme vous avez pu voir, Omori est un jeu d'horreur psychologique qui nécessite un avertissement. Cet avertissement sera mis à jour, nous commençons donc à peine. Là, ça fait un peu plus que à peine maintenant. Mais voilà, il y a des sujets qui sont la perte, la dépression, je sais pas, je sais plus. Le suicide, l'anxiété, alors du bullying et du harcèlement, pratiqué et reçu. Sexisme, pratiqué et reçu aussi, enfin, reçu un peu moins je crois, voire pas du tout. Voilà, donc du coup c'est un peu complexe. Dans le dernier épisode, on était dans la maison de Sweet Heart, donc le château. On était... Mais non, t'énerve pas. J'avais préparé la Xbox pour tout à l'heure, mais peut-être qu'on jouera pas. On verra. Voilà. Je vais changer... Oui, parce qu'il faut que je change aussi les la description. Hop, Omori, bam. Et hop, uniquement Omori. Bam. Donc Wizbot va nous le dire. Et on est parti. Bonjour Wizbot, merci d'être hyper réactif. On continue. On était donc du coup dans la maison de Sweetheart. J'espère que vous vous en rappelez si vous avez suivi. En tout cas, si vous n'avez pas suivi et que vous avez un peu peur du sujet... ou des sujets, je vous conseille de ne pas être dans le coin. Il y a d'autres choses à faire que de regarder quelqu'un qui joue à un jeu qui peut vous faire du mal, tout simplement. N'hésitez pas. Et je vais... oui, c'est vrai qu'il faut que je passe tout ça en contenu, contenu pour adultes. Attendez. Hop, hop. Ah, il y a un anniversaire à côté, ça gueule. En ce moment, vous l'entendez pas. Hein. Alors, tac, 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 ça c'est bon. Et je voulais regarder juste la luminosité du côté de mon retour. Parce que j'ai l'impression que je suis vraiment très sombre. Mais je suis sombre. Comment qu'on va faire? Bon alors, attendez. Il va falloir que j'ouvre la fenêtre. J'arrive. Alors, du coup, j'ai l'impression que je suis sombre constamment. Hein. Non, c'est un peu mieux. Ok. Du coup, Twitch, contenu pour adultes. Désolé, hein, ça prend du temps. Ah, bonjour. Bonjour, toi. Je te connais, je crois. Contenu pour adultes, voilà. Comme ça, c'est fait. Ok, bah je pense qu'on est parti. Hein. Alors, la dernière fois, on était du coup dans le château, là, le Firefly Forest. C'est là où tous les taupes, alors c'est comment ça s'appelle, les poustopes, comment je les avais appelés, je me rappelle plus. Les poustopes avaient habité. Et du coup, moi, je me retrouve à l'intérieur avec Marie qui est dans les sous-sols. Alors, on est dans les sous-sols de la prison, je vous rappelle. On avait fait un gros passage avec Nino à l'extérieur.
du monde de Mori, du coup, et nous voilà ici. On va sans doute faire la fête du pique-nique ici, hein, parce que... j'ai besoin de souffler un petit peu, juste... un peu. Mmh. Ah, je l'avais déjà fait. C'est pour ça qu'on n'a pas de dialogue. Ok. Donc du coup, il y a plein de pièges, il y a des boutons à appuyer. Il y a beaucoup de boutons à appuyer d'ailleurs. Et nous, bah, on se baladait. Voilà, on n'est pas passé par là. On a l'air d'avoir des yeux qui passent à travers les fenêtres, mais on ne sait pas exactement qui sont ces personnes. Voilà, on peut casser des trucs. Alors, si je me rappelle bien, c'est grâce à Aubrey qu'on peut casser. Et il faudra qu'on monte à des échelles et une échelle particulière. On va casser tout ça déjà. On va envoyer quel. Oh, on a trouvé du tofu. C'est vrai qu'on trouve que du tofu ici. J'avais oublié cette histoire. Bon, on va utiliser quel tout de suite parce que c'est quel qui envoie son caillou qu'il a récupéré, je sais pas comment. Parce que. Ah non, c'est peut-être la balle qu'il lance. Non, on dirait le caillou. Ok, bon, on va ouvrir tout ici, comme ça au moins c'est fait. On va ouvrir tous les pièges. Pic 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 pic. Alors c'est pas du speedrun. Ah mince, c'est pas par là. C'est pas du speedrun, hein, c'est juste que... j'ai pas envie de prendre 15 ans ici. Ah. Il va partir le top pouce là. Ah, il explose carrément. Donc là on vient de tuer un top pouce comme ça, ok. Bon, bah on appuie sur tous les boutons, hein. Qu'est-ce que tu veux. Il y a sans doute une grosse porte qui va s'ouvrir, on va devoir taper la sweater, donc... à la fin, ça va être ça, hein. Oui, parce que sweater a essayé de marier... Quel non, héros. Ah tiens, super. Du tofu, super. Donc Aubrey... Et bien entendu, notre cher héros a... Enfin, bien entendu. Il a refusé ses avances. Est-ce que, du coup, on a fait tout, là? On a vraiment tout fait? Ok. Donc, du coup, maintenant, c'est les échelles. Faut que j'arrête de... Faut que je pratique la diction. Alors, toujours regarder les toilettes. On a trouvé des ramènes dans les toilettes. Super. Ah, donc les os peuvent parler. J'ai été bloqué ici pendant tellement de temps, j'ai l'impression que je peux à peine bouger un muscle. Bah, je comprends. Quelle est cette tête? Pourquoi cette tête, plutôt? Ce n'est pas vivant. Et là, ce n'est pas vivant. On va peut-être prendre Aubrey pour taper ça. Là, il y a quelque chose qui vole à côté, hein. On appuie sur le bouton. Ok, faudra qu'on revienne là. On redescend. Est-ce que c'est Advita Eternam où on récupère des tofu tout le temps ou pas? Ouais, trop bien. Donc là, on est passé en affaires. On va monter ici. Ah non, mais ça, c'est la fin, ça. C'est là où il y a la bataille finale. Ça, ça se voit, il y a des torches. Quand il y a des torches, c'est que c'est la bataille finale. Hop. Hop. On casse ça. Du tofu. J'espère que ça nous donne beaucoup de... Ah bah tiens, c'est vrai que celui-là, on l'a pas ouvert. Strange. Est-ce que je suis monté là? Je sais même plus. Ah, j'ai pas l'impression, il y a un tofu géant. Un pouce tofu. J'ai été envoyé au donjon pour recel, j'ai l'impression. Les mauvaises habitudes sont dures à tuer. Ceci dit, j'ai eu plusieurs bonnes choses à vendre. Oui, bah on est intéressé à acheter, bien entendu. Du tofu. Donc c'est 5 de cœur, c'est pas mal. Chicken wings. Wing of chickens. Tasty soda. Ah, des smoothies à la mangue. Oh, ça, je vais tester, ouais. Ah, ouais. Ah, oui. Attendez, je m'approche un peu. Est-ce que mon micro est bien?
Je monte un peu histoire que je puisse me mettre sur le dos. Hein. Poser. Je suis en train de tuer la caméra en fait avec mes rires, je suis en train d'embarquer. C'est pas grave. Hein. Poétrie. Ouais, donc du coup, ça c'est pour Omori et Life Gem. Ah, 300. Ah ouais, non, mais c'est cher. C'est pour refaire revivre les gens. C'est la gelée de la vie. C'est pas par là. On est monté là? Je sais même plus. Je ne sais. Ah oui, alors attendez. On va sortir. On va aller là. Pourquoi ça bouge pas? Mais non, mais là, laisse-moi tranquille. Oh. Ah, y'a pas la musique? La musique de combat? Ah. En fait, je suis pas. Il faut que je m'assoie bien. Voilà, pour le dos. Bon, bah, du coup, on peut pas rentrer par là en fait. Ah, si, il y a une échelle. Alors, du coup, on va redescendre. Et apparemment, l'échelle elle est parallèle à celle-ci. Dans l'autre sens. De l'autre côté, du coup. Ah, mais il y a une salle en haut, mais comment on y va? Ça doit être le bouton. Ça doit être le dernier bouton. Bon, alors du coup, ce bouton-là, on l'a ouvert. Celui-là, on l'a ouvert. Celui-là, on l'a fait. Bonjour. Ah oui, je crois que j'ai déjà discuté avec eux. Bon, bah, salut, hein. Comment on fait pour aller là-bas? Je pense que ça doit être par en haut, du coup. Bon, on va aller voir. Donc c'est... ah mais non, on est enfermé. Là, c'est notre vendeur. Ah, j'ai toujours du mal avec ça. Là-haut. Bon, c'est là où on est arrivé, je sais plus. Ok, c'est là où on sort. Non mais... C'est bon, laisse-nous tranquille. Bon, on a encore gagné du tofu, résultat. Alors, c'est en bas. Là, il y a le... Ok. Ah. Ça, c'est fermé. Mais comment on va faire? Ça, c'est ouvert. Attends, on descend. Ah oui, mais là, on est déjà passé par là. Il y a les boutons, c'est bon. Ça, c'est fermé, ça?
Ouais, non, mais c'est bon. Ah, c'est ouvert. Attends, 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 attends. On a trouvé du tofu. Attends 2 minutes. Ah, mais j'avais pas vu que Aubrey était en problème de vie. Je viens de me rappeler de l'ours. De expérience, c'est bien ça. Double combat. Marcha. What? Marcha, tu es un peu vénère. Snack, hein, snack, snack. Hein. Mange ta barre de vitamines. Ah bah ça y est, c'est bon. Ok. J'ai du mal à savoir comment on peut aller chercher ce truc en haut. Bon. Est-ce que ça c'est ouvert? Non, toujours pas. Non, celui-là on peut pas l'avoir. Toujours pas. J'ai l'impression qu'on va devoir prendre le chemin du boss. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je change l'objet de héros parce qu'il est happy, mais en fait c'était pour les araignées que je lui avais mis ça. Et on n'est plus dans les araignées. On n'est plus dans la forêt. Donc là c'était la chambre de Space Boy. Là on a déjà fait. Ok. Bon alors du coup il faut descendre. Il faut descendre, mais... c'est pas là. C'est pas là. Parce que ça, là, on revient au début. Bon, alors déjà, on va prendre un peu de vie, hein, parce que j'ai vu que t'étais en besoin. Donc là, c'est le vendeur, donc toujours pas. Ça paraît... Enfin, ça fait gros, quand même. Vendeur à côté de la sauvegarde, ça sent le boss à... plein de nez, mais... Ah, peut-être qu'il y a un temps de bouton. Bon, on va aller au boss, et puis on va voir après. Ok, bonjour. C'est par ici, le boss? Ah, on a de l'argent en plus. Ouh là là, ouh là là. Ça, c'est pour si on foire. Ouh là là. Ouh là là, je sens mal. On dirait le début. On dirait tous les boss dans les jeux vidéo. Ouh là là, il y a trop d'argent ici. Regardez ici. On a trouvé la sortie. La liberté, enfin. Allez, sortons d'ici. Je ne veux jamais revoir ces top pouces de ma vie. Je ne veux jamais revoir. Oui, c'est bon, c'est français. Bon, on va sauvegarder parce que je sens que ça va être la gare. Et après, on sort. Oui, on a ouvert tout, tout est bon, on est prêt à sortir. On s'évade. Mais alors du coup, je suppose que peut-être qu'on n'a pas le niveau pour pouvoir ouvrir tout, je comprends pas trop. On va essayer cette porte quand même. Ah. Ah, bah voilà le bouton. Ok. Donc ça c'est bien, c'est un raccourci. C'est un raccourci, pourquoi je l'ai pas pris?
Bizarre cette réflexion rapide là. Allez, prends un raccourci. Alors du coup là c'est ouvert, mais c'est pour le raccourci, pour les prisons. Mais ça explique pas ici. Bon, on se barre. On fait comme si on n'avait pas vu qu'il y avait des endroits qu'on n'est pas allé. Ah, peut-être qu'il y a encore de la thune. Excusez-moi, je suis gratteur. Hein. Sur le coup, moi je veux la thune parce que je sais que ça va nous servir à un moment. Hop. C'est quand même Zelda, quoi. Ok. Ah! On est revenu au château. Voilà, des rivières de sang et tout. Wouah, fontaine de sang plutôt. On va se taper contre tout le monde là. Le donjon. Et on sort de là. Halt, prisonnier! Est-ce que vous pensiez vraiment pouvoir vous échapper aussi facilement? C'est retour au donjon pour vous maintenant. Mince, on était si proche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pense, héros, pense. Comment on peut sortir d'ici? Oh, je sais. Bah pourquoi? Mais il a arraché le visage d'un topus? Au contraire, monsieur le chevalier. Je pense que vous êtes trompé pour quelqu'un d'autre. Ne soyez pas si rapide à juger. Nous sommes des Sproutmoles, indubitablement. Oh oh. En effet. Je suis aussi un grand fan de tofu et de Sweetheart. Délicieux tofu. Sweetheart. Tofu. Mes yeux m'ont déçu. Je m'excuse auprès de vous. C'est vraiment difficile de voir à travers ce casque. Très bien, continuez. Je vais continuer ma patrouille. Vous devriez retourner à votre poste aussi. Avant que notre cher Sweetheart le ne remarque. Le son est fort ou c'est moi? Non, c'est moi. C'est moi, sans doute moi. Oh, c'est quelque chose. Ah oui, c'est ça, penser rapidement. Enfin, c'est plus ou moins ça. C'était si agile, héros, fluide. Avec ces masques de pouce taupe, on a réussi à traverser et sans aucun problème. Pardon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les porter maintenant? Le mien est un peu. Il gratte un peu. Oui, quel. Nous devrions les garder pour sortir. Allons-y, partons. Alors ça sort du cul, hein. D'où viennent ces masques? On va discuter avec tout le monde là, dans le. Ah, il y a des. C'est des. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais par la fenêtre, il y a le. Bonjour. Ah, on doit se taper. Ah, d'accord, c'est un archer. Et un magicien. Oulala! It's a 9, it's anybody game. Oulala, ça va être vénère, faut taper le magicien en premier, hein. Tout le monde sait ça. Et ensuite l'archer. On fait un groupe. Voilà. Oulala. J'ai l'impression qu'on va prendre cher, mais je suis pas sûr. Voilà, magicien en moins. Maintenant, l'archer.
Mais du coup, j'ai pas compris, les masques ils marchent pas, hein. Pourquoi on s'est fait repérer? Parce que je lui ai parlé? On peut les défaire... Non, on peut les défaire. On peut les battre uniquement en leur parlant, et genre, les gens ils sont pas choqués qu'il y ait quelqu'un qui a disparu à côté des autres. Bon là, il est tout seul, mais... Bon, c'est pas grave, on va voir. On va voir. Ah mais j'ai un cookie que j'ai pas mangé. Attendez, je vais aller chercher mon cookie. Enfin, attendez pas. On continue le jeu. Attendez pas, Omori, hein. Ah, mon cookie, j'ai acheté un gros cookie, incroyable, c'est magnifique. Où est... Ah oui, c'est vrai que je charge. Voilà. Ok. C'est bon, bonjour, j'ai récupéré mon cookie. Vous allez voir, il est énorme. C'est incroyable. C'est un cookie à acheter chez le boulanger, c'est toujours énorme les cookies achetés chez le boulanger. Excusez-moi. Je me fais plaisir. Et je trouve du tofu, c'est génial, trop bien du tofu. Il n'y a pas du tofu braisé. Oh mais c'est quoi ce plastique là? C'est bien emballé. Wow. Mais oui, on a compris, mais pourquoi je clique, ça marche pas? Mais... Je suis parti, j'ai cassé la manette ou quoi? Attendez, je reviens. C'est bon là? Toujours pas. Ah si, c'est... On a pris Home Jam. De... C'est Hiro qui a pris, qui pouvait faire de la bouffe. Non mais... Tu peux arrêter de claquer, fenêtre, s'il te plaît? Comment on choisit déjà? Swap? Ouais, c'est ça, swap. Attends, je vais regarder du côté du son. Refait du bruit? Ah oui, oui, ça fait du bruit. Alors attendez, je vais... Je veux aussi protéger votre oreille. Devrait être bon, désolé, il y a beaucoup d'interférences aujourd'hui. Homemade jam. Donc du coup c'est de la gelée fait maison, donc du coup de la confiture fait maison. C'est pour faire revivre les gens. Trop bien. Attends. Ok. Ok, c'est pas mal. Garde, c'est pas mal aussi. Et on peut faire ça pour tout le monde, ok. Ouais, bon, allez. T'es notre heal quand même, hein. Faut pas déconner, si t'as pas un sort de régénérescence, là, c'est compliqué. Bon, je suppose que c'est par là qu'il faut pas aller. Mais c'est un... Alors attends. Ça c'est un ascenseur mais on n'a pas fait tout le reste. Attends. Non mais non mais non. Pourquoi t'es là? Pourquoi vous êtes là? Bon allez, cette fois-ci on va essayer de faire un grand combo. Ah 20.
le sus part. On est tous en feu là à cause de toi. Ça va? Tout le monde est vivant? Bon, on arrive à 10 hein, d'ici peu. Au revoir, le sus. Donc du coup, on va faire sur Harold. Et on va utiliser notre super skill, Snack Time. Tout le monde mange des cookies comme moi, ouais. Bon, allez, on va le tuer. Ah, mais on va pouvoir faire un combo, là. Attendez, attendez, attendez. Oh, Mori. Combo. Ah, il les a tués. Il les a tués, tous les deux. Ah, on refait Snack Time. Bah, c'est pas grave, hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Mais il est mort. On fera jamais le 10. Ah, si. Allez! On fait l'enchaînement sur le... Bon, il est mort. On peut même pas faire l'enchaînement. Wesh. On arrive à 10, c'est impossible. Ok. Je regardais pour le JDR. Ok, bah c'est bien. Écoutez... Speedrun de la folie. Ah, c'est la cuisine. Ouh là là, ils sont en train de manger là, tranquillement. Mes chers sous-chefs, j'ai bien peur que mon dos n'en peut plus. C'est à ce moment infortuné que je vous annonce ma retraite. Mais attendez, attendez, chef, sans vous, qui nous dirigera pendant nos tâches de baking, c'est pâtisserie? Et pour faire ce magnifique gâteau pour l'événement principal, sous-chef, c'est maintenant temps pour vous de step up. Alors step up, c'est se lever quoi, défendre, de se mettre au alors, limelight, je suppose que c'est se mettre à la lumière, de se mettre au... De s'avancer dans la lumière, quoi. De se mettre en avant. Un gâteau doit être préparé aujourd'hui. Notre vie en dépend. Oh oui, chef! Je vous entends, chef! Comme le plus capable d'entre nous, je vais me porter volontaire pour prendre cette charge. La charge de cette tâche. Je ne vais pas vous décevoir, je vous promets. Eh, vous là-bas, vous êtes 4 sous-chefs maintenant. Rencontrez-moi à la cuisine, pronto. Alors ils sont là. On peut parler avec eux ou pas? Qui êtes-vous? Qui je suis? Bonne chance, vous en aurez besoin. Bonne chance, vous en aurez besoin. Bonne chance, vous en aurez besoin. On prend notre travail très au sérieux.
Les gardes royales de Sweetheart acceptent uniquement les meilleurs. Des meilleurs. Bon, je pense qu'ils vont tout dire ça. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Allez, mettez-vous au travail. Je ne peux pas quitter cette pièce avant qu'on n'ait pas fini le meilleur gâteau possible. Est-ce que vous êtes prêt à cuisiner? Juste suivez mes instructions et vous tout ira bien. Je me rappelle ce que le chef disait par cœur. J'espère que c'est pas un truc de rythme. Je suis nul. Ne soyez pas nerveux. Ayez confiance en moi. Je sais que je sais ce que je fais. En premièrement, on doit préchauffer le four à 75 degrés. Et bah on commence hein. Boîte température, 75 degrés. Excellent travail. La prochaine chose, c'est de faire un mix entre les principaux ingrédients dans un bol. Des fleurs et des balles de ping-pong. Alors, les balles de ping-pong, j'imagine que c'est ça. Non. C'est ça? Non. Non. Alors, j'ai l'impression qu'il se rappelle pas. Donc du coup, les fleurs... Alors, on a besoin des œufs. Ça doit être... Les fleurs, ça doit être la farine. Alors non. Ah, Garden Soil. J'ai l'impression que c'est pas ça. Moi j'aurais dit farine pour un gâteau, mais bon. Et ensuite, prenez le sel et le fromage. Oui. Faut ébattre tous ces deux-là jusqu'au moment où ça fait une soupe. Ok, donc alors le fromage, j'imagine que c'est le beurre. Et il m'a dit du sel, donc ça va être le sucre. Yes. Il est très doué, hein, on dirait moi. Maintenant, on commence à faire de la cuisson. Dernier, mais pas pas le pire quoi. Attraper la sauce et couper-la en pièces. Oulala. La sauce. Et couper-la en pièces. Ça doit être ça. Hein. Couper la. Ok, ça ressemble à rien. Ah, j'ai un appel que j'aurais dû répondre. Mince. Magnifique. Maintenant, mixez les deux ensemble et mettez-le dans le micro-ondes. Alors, vu comment c'est dégueu. Ah, faut que je ramène tous les ingrédients. Ouais, attends. Celui-là, il a l'air bien. Hein. Les deux autres, ça a l'air infâme. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la solution pour faire mon gâteau. Oui, ça a l'air horrible. Oui, et hop, dans le four. Je sais quand même faire la cuisine. Faut pas déconner. Je sens le gâteau horrible. On a mis quand même du fertilisant. Vous avez fait un gâteau. Mais qu'est-ce que vous avez mis dedans? Ah, hold on, beautiful work, I must say. Donc il dit magnifique. On goûte. Mais c'est dégueulasse, c'est... On est d'accord. Mais c'est toi qui me dis n'importe quoi en même temps. Bon, je vais faire selon ce que moi je pense faire. Hein. Game over, hein.
Game over parce qu'il me dit des mauvais trucs? Donc fleurs, c'était clairement des fleurs, c'était clairement du... Ouais, bon, on l'aurait tué. C'est bon, là, monsieur? On peut faire des 75 degrés, maintenant? Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, bah oui, on veut bien. 350 degrés. Ça me paraît un peu beaucoup. Alors, farine et... Oui, ça, c'est bon. Farine et eux. Ça, on est d'accord. Ça, ça ressemble à quelque chose. Oui, ça, c'est pour faire un gâteau. Et ensuite, le sucre et le beurre. C'est très bien. Ça, c'est exactement ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi j'ai suivi l'autre, là. En même temps, on est sous-chef. Hein. Est-ce que on garde la hiérarchie ou... Bonne question. J'ai l'impression qu'il fallait faire peut-être l'erreur parce que j'ai gagné un achievement. Et maintenant, finalement, le topping, comme on dit en bon français, c'est des strawberries. Ah oui, les strawberries, c'est trop bien. C'est des framboises. Donc, strawberries, je crois que c'est celle-là. Non, c'est des fraises. Oh, c'est une charlotte aux fraises qu'on fait, c'est trop bien. Voilà. C'est, tout est bon, sweet. Maintenant, ramène tous ces trucs-là et mets-les dans le truc à pain. Le baking pan, c'est grosso modo le plat qu'on va enfourner dans le four. Voilà. Ça a l'air joli. Ça n'a pas l'air censuré. Mais ça, il faut faire plusieurs fois si tu veux faire un truc en plusieurs étages, monsieur. En même temps, faire cuire des fraises, je sais pas. Ah, si. Voilà. Et voilà comment faire un gâteau. Allez, ça devrait le faire. Enfin, un gâteau que pourrait. Que serait fier notre chef. Que sa mémoire vive en paix. Waouh. Vous pouvez partir, serment. Soyez libre. Ok. Du coup, on est d'accord que le mec n'est pas mort. Il est toujours là. Vous êtes mort, vous? Vous êtes juste à la retraite, hein. Le mec, au deuxième, il est... C'est un peu l'enfer. Bon, on a fait un gâteau. Alors, je sais pas ce que ça nous a avancé. Ah! Stop, imposteur. Mais c'est Maximus. Je sais qui vous êtes. Et vous êtes pas des tout pouces. Vous devez savoir comment je sais. Je suis au-dessus de ces inexpérimentés Harold et Marcha. Je suis sœur Maximus. Avec, bon, il est héritier, quoi. Je serai victorieux et je vais ramener honneur à ma famille. Eh bien, tu vas perdre. J'ai décidé que tu vas perdre. Hein? Ah, il est énervé. Alors, je me rappelle plus comment on fait. Alors, attends. Eh bien, on va tout commencer tout de suite par un sap poème pour Omori. On va faire un skill headbutt dans sa tête, skill rebound, j'ai dommage chaud faussement. On fait là une attaque normale, et tu vas prendre un peu de snack parce que j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de tes vies. Juice, Peter Van Orange Juice, c'est bien. Allez, coup de tête, voilà. Mets-toi en mode triste. Boum, 78. Ah, il est triste, mince. Ça va rien faire ce que je vais lui faire. Bon, en même temps, il y en a un qui est heureux. Oh, faudrait être énervé, je crois. Pas mal. Pas super. En neutre, c'est toujours bien. Hein. Ah, il a eu deux fois. Ouais, je pense qu'il a. En fait, contre Hiro, il a aucun. Il va avoir un problème. Du coup, faudrait qu'on soit énervé pour pouvoir l'avoir, je pense. Donc, on va s'énerver tout de suite. Comme ça, on sera un peu tôt. Un peu trop. Tout. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas perdre.
Mon enfant a besoin de moi. Zéro. Ah oui, parce qu'il est en mode sad. Bah non, c'est bon. Ah si, on croit qu'on va s'énerver deux fois. Voilà, que ça se fait. Il est enragé, quoi. Je me demande jusqu'à quel point on peut aller. De toute façon, il va sans doute mourir avant. Ah, il a pris... il a perdu 111 juice avec le fait qu'il soit amoureux. Forcément qu'il est toujours vivant, Hiro. Ah, faut que je le mette sad. Parce que c'est pas possible, en fait. Je vais faire un truc, oui, si on va faire attaque. Et je vais faire snack time. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce que neutre enragé. Neutre heureux. Ah. Bah, il est dead. Voilà. 600 points d'expérience. On est un peu dans les 400, dans 600, donc on est toujours au même endroit à peu près. Ceci était un mini boss. Bonjour. On vient récupérer des vies. Et il mange pas, lui? Ah, merci. Je vais avoir un message pour mon appel de tout à l'heure. 866, ah ouais. C'est beaucoup, hein, 866. Niveau 17. On peut récupérer ce poisson, ce lapin? Non, bon, ok. Lapin bougie. On va casser tout, hein. On est là pour ça, hein. Ah, c'est la thune. Ouah, 30 à part 30, c'est moi je veux, hein. Ouah, 2, c'est nul. C'est toujours bien, Romain. Bonjour monsieur, on est payé pour le décor. On va sans doute descendre. Lui là, tu veux pas te battre? Merci. Harold's party at the upper end. Ok, donc du coup ils sont en avantage. Team Spirit, ex Aubrey, on offre un happy. Ok. Double attaque. Commence direct. You can do it. Oh, on est extatique carrément. Mais pour attends, il était heureux comment déjà tout à l'heure? Aïe aïe aïe. Qui l'a rendu heureux tout à l'heure, j'ai compris. C'est deux fois peut-être. Ah, c'est un peu... Il fait flipper quand il est extatique. Il fait flipper de ouf. Pardon pour le terme.
On va appeler quel? Quel? Bon, Marsha. En fait, c'est toujours les mêmes, non? C'est fini là, 109. Ah ouais. 109 en étant heureuse, c'est compliqué. 948 expériences. Super. Deadnate chose, tuto fou. Et ricochet pour. Quel. On a eu plein de trucs. Alors attendez, parce que. Il y a des skills qui ont été débloqués partout, je crois. Donc il peut se moquer. Il peut faire un piège. Lucky Slide, act first, on attack that. Ah oui, donc du coup il a attaque très fort s'il est heureux en plus. Bread Slice, c'était pas mal, mais ça donnait du pain, mais on en avait pas. On en a jamais eu. Ricochet, deal damage, tooth. Ah oui. Ah oui, d'accord, c'est pas mal ça. Attends, rebond, c'est to all. En fait, ça fait des. Ça attaque plusieurs fois la même personne. C'est pas mal ça aussi, mais bon. En fait, faudrait garder quand même. Un moyen de s'énerver. Et le chat qui s'est réveillé. Ça va le chat? Ah, je vais peut-être vous laisser 2 minutes. Ouais, je vous laisse 2 minutes, je vais fermer la porte. J'arrive, j'arrive. Il entr'acte. Hop, on continue. Attendez, je me mets... parce que je suis un peu sur le côté. Voilà. Enlever l'émotion de quelqu'un, non. Agir en premier, non. Agir agir en premier et... régénérer quelqu'un en 40%, mais non, en fait. C'est pas lui, c'est qui c'est Aubrey qui a eu un truc en plus? Non, mais ça c'est bien les trucs, elle, là. Ah, c'est pas mal ça aussi. En fait, Power Hit, ça attaque et ça ignore la défense de l'ennemi. Et ça réduit en plus l'ennemi, la défense de l'ennemi après. Tout le monde la vise. Bon, ça c'est pas très intéressant. C'est notre tank, mais pas à ce point-là quand même. Enfin, on l'utilise pas. Enfin, moi je l'utilise pas comme ça. On peut partir par là, j'imagine. Ah mince, regardez la taille de cette foule. On va jamais réussir à traverser. Oui, on va jamais réussir à traverser. Regardons autour, signer une autre sortie. Peut-être à travers. Peut-être que la foule. Ouais, mourra éventuellement. We should check back here later. On devrait essayer plus tard. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est... ça, quand ça brille, il faut toujours y aller. Hein. Oui, on va balancer une thune dedans. Voilà, c'était juste pour le délire. Au revoir. Poum 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 poum. 11. Voilà, il joue au dé avant de jouer avec nous. C'est
Tiens, attendez, attention, je prends le micro. Bonjour. Comme ça, on sera plus direct. Pom pam pam pam. Elle a appris mood. Quelle sorte de mood? Ah, c'est bien ça. J'aime bien le terme. Eh bien, ça c'est cool. Alors, donc du coup, on a regardé les skills il y a 3 secondes, mais on regarde. Hein. Alors, un coup qui ne loupe pas et qui augmente le dommage si ils sont heureux. Ouais, mais on n'a jamais rencontré beaucoup des gens heureux. C'est ça le truc aussi. Ok, donc là il y a une sortie. Bon, on va essayer de par là, hein. Écoute. Mais c'est immense. Bon. Là, on peut aller par là? Non, ok. Ah, Pluton? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? This is not a juice, a watermelon juice. Ah, c'est du... Dis-moi pas... Oh non... Ne me dis pas que c'est... Lui, le plus vénère, Lucius. Eh, mais faut qu'on fasse un snack time, là. Ah, mais il a plus de... Oh là là... C'est où qu'on sauvegarde, ici? En plus, Marsha aussi est vénère. Ah oui, c'est vrai que c'est pas elle qui avait réussi à nous tuer là salement la dernière fois. Avec le feu. Enfin tuer non, bah, pas vraiment. Bon, on va lui faire voilà, ricocher dans ta tête. Faut qu'on fasse son skill en fait. Ah. On prouve plus tard. Oh, c'est sale. Ah, c'était ça, il a fait 150 points de dommage. Du... Et c'est quoi ce... Ah, on est dans ce niveau-là? Non, mais en fait, non. Wouah! On s'enfuit, hein? On n'a pas envie de se marier avec Sweeter. Wouah, il y a trop de people dans le... partout! On va jamais finir en 20 heures, hein. Je comprends pas comment ils ont fait, hein. Ils ont speedé de ouf. Ils connaissaient déjà le jeu. Oh non, pourquoi j'ai foncé dans... Oh, il est heureux, j'aurais dû récupérer le truc. Oh non, mais là, on a besoin de tous se sauver, en fait. Ouais, faut tous se sauver là. Oh là 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 là. Et en plus, il est heureux. Tuu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 
Ouais, voilà. Salut, Kel. On est presque die. On colle Mori pour lui donner un peu de vie là. Ouais, merci. Ok. Bon, on va utiliser notre sad poem direct, hein. Salut Nibbler, comment tu vas Nibbler? Des petits cœurs pour toi Nibbler. Je suis un peu à l'ouest en fait, je m'arrête toutes les 6 secondes, c'est incroyable. Ok, donc là on est triste, donc là logiquement je devrais pouvoir le battre. Ah, je sais plus, c'est le heureux j'imagine. Donc toi t'es heureuse, logiquement tu peux battre le énervé. Donc on va te mettre un petit headbutt, un petit coup de tête dans ta tête. On va faire un snack time. Ah ouais, je peux pas faire homemade. Ok, attendez, on va augmenter notre... Ouais, du coup je suis un peu éparpillé là, c'était un peu compliqué là tout à l'heure hein, donc... Oui, ça a l'air d'être bien. Je pense que j'ai bien réussi mon schéma. Donc du coup, là, par exemple... Bon, on va l'attaquer indifféremment... de notre émotion. Est-ce que tu peux utiliser ton skill maintenant? Oui, on va sauvegarder... Quel? Ouais, c'était compliqué tout à l'heure, hein. J'ai fait... Laisse tomber, j'ai couru. Enfin, j'ai couru, j'ai marché. J'ai marché vite. Ouah, 1120. On avance un peu dans Omori et peut-être qu'on va faire autre chose. Je pense à quelque chose, comme ça on fera un test. Donc là c'est la bibliothèque. En fait là je crois qu'on est bloqué, c'est très difficile à sortir. Oula, c'est la queue. C'est la queue de la bibliothèque. Oh non, ça me rappelle Pompidou. Non. Ouais, et en fait je suis à l'ouest, je suis totalement décalé quoi. Ah mais t'as pas de vie en fait. T'as pas de vie, Kel. Tu veux ne pas mourir, genre? S'il te plaît. Ouais, j'ai perdu un bout de cerveau et en fait c'est la vitesse à laquelle j'ai dû me déplacer quoi. C'est C'est pour ça que j'aime pas être en retard, c'est qu'en fait quand je... Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il s'est protégé, d'accord, c'est bien, très bien, très très bien, très très bien, protège-toi, oui, en effet. Tu veux pas prendre de la vie, genre... on fait un snack time ensemble, t'as vu? Ouais, et du coup, ouais, quand... C'est pour ça que j'essaye d'être... Enfin, j'essaye. Je suis majoritairement à l'heure, pile à l'heure, ou à l'heure qu'on m'a donnée. Et quand je suis en retard, ça me... Je perds de la réflexion. Mais là, en fait, c'est surtout je suis très distrait maintenant. Là, depuis que je suis arrivé, je suis très, très distrait. Partout. Partout, partout, partout. Et en fait, le truc, c'est... C'est que c'est ça, c'est genre, je regarde les messages... je pense que ça doit être insupportable en plus à regarder. Mais on avance pas trop, donc du coup, c'est peut-être ça aussi, hein. On est sorti de la prison. Pour se retrouver... Oulala, elle est là. Oulala, elle est là. Oui, ils sont au cinéma. Oulala, il y a quelque chose qui va se passer. Mais on n'a pas trouvé Marie. C'est où qu'on se sauvegarde? Sweeter, t'es ici. Sweeter, t'es ici. Alerte, 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 faut trouver Marie. Elle est toujours dans la prison, tu vois? En fait, casse-toi, Lucius. Là, on a plus le time.
Oh là là, oh là là. On va sauvegarder, hein. Tout à l'heure, ça avait l'air pas hostile, mais là, tout d'un coup, c'est devenu hostile. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. On récupère de la thune en passant. On va sauvegarder. Donc là, le truc, c'est où on en est. D'ailleurs, petit rappel hein, pour toi, Nibbler. Où on en est. C'est que... Omori est un jeu d'horreur psychologique. Si vous venez d'arriver comme Nibbler, il faut faire attention. On a les masques, mais je sais pas comment on va réagir, Marie. Peut-être qu'on les enlève avant. Non, on les garde, ok. On a toujours pas l'ouverture d'en bas, c'est très étrange. Donc, on va manger ça, hein, des pickles. On va discuter avec Marie. Hé, hey, gang, j'ai une question bête. Ah, vas-y, dis-moi. Je vous semblais être bloqué comme un petit un cornichon. Ah ah ah, j'ai glissé des pickles. J'ai les pickles. Est-ce que tu peux mettre de la confiture à la place? Ok, merci, Kiel. Quelle est ta question bête? Ah, mais ça, c'est les... Oui, c'est... Excuse-moi. Excuse-moi Marie, je voulais pas savoir toutes les quêtes que je devais faire. Eh bien... Alors, je te réexplique le principe de Omori. Donc, il y a Aubrey, qui est la fille. Hiro, qui est le frère de Kel. Qui sont toujours un peu combatifs. Aubrey, c'est la voisine de tous ces gens-là, et Omori. Donc Omori, il est en noir et blanc, parce que c'est le personnage principal. Alors, pour être plus en détail, le lore de l'histoire, c'est que... alors je vous dis ce que j'en pense pour l'instant, du moins. Il y a deux mondes. Il y a un monde où il y a Omori, en noir et blanc du coup, et il y a un monde... où Omori n'est plus en noir et blanc, et il s'appelle Nino. De mon point de vue, c'est... Omori est une facette, ou une représentation de Nino, donc quand il dort, de lui-même. La seule différence, c'est que... dans le monde de Nino, Hiro est parti au lycée, Kel habite toujours avec dans la maison de son enfance. Aubrey n'est plus leur ami. Et Nino est à la limite du suicide. Il est en dépression intense. Et en fait, dans ce lot-là... je vais éternuer. Dans ce lot-là, on apprend que la sœur de Nino, donc la Marie, donc celle qui fait la sauvegarde dans le monde de Omori, est morte. Et en fait, ça a cassé leur histoire d'amitié. Et donc du coup, en fait, le moment où Omori se retrouve face à des problèmes qu'il a du mal à gérer émotionnellement. Il va dormir en général, enfin il se retrouve chez lui avec ses angoisses et ses émotions et du coup il fait pas grand chose, par exemple il fait pas les corvées de ses parents, bon bref ça c'est les enfants quand j'ai envie de dire et du coup le truc c'est que quand il dort il se retrouve dans la pièce. Donc la pièce blanche, le white space. Dans le white space, il y a très peu de choses. Il y a le carnet de croquis de Nino, je suppose, qui est donc les dessins de Omori et la manière dont il exprime ses sentiments, ses émotions et tout. Et en fait, quand il...
quand il prend, quand dans cet espace-là, il y a le chat aussi, il y a la lumière, bref, il y a très peu de choses, mais il y a la porte, et la porte arrive au monde dans lequel on est là. C'est-à-dire le monde des rêves, entre guillemets, si on part sur ce principe-là. Dans le monde des rêves, il y a tout son groupe qui l'attend, en fait, depuis très longtemps. Et à chaque fois, c'est très bizarre, en fait, justement, parce qu'ils appuient beaucoup sur le fait qu'ils attendent l'arrivée d'Omori pour sortir. Que Marie est là en plus en tant que sauvegarde et un peu partout et à des endroits très bizarres et c'est comme ça que j'avais remarqué déjà qu'il y avait un problème. Ah mais il y avait des villas. Non mais non. J'ai fait tout ce tour là. On a sauvegardé de toute façon, Pierre. Bonjour madame. Donc c'est un peu compliqué. Oui, on va regarder un film, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un film. La super musique de la machine à recycler. J'ai l'impression qu'on va voir apparaître Obey. Comme dans le film de... c'est New York, je sais pas quoi, Invasion. Invasion New York. Bon, j'ai l'impression que le film est bien. Hein. Moi, je suis là uniquement pour la musique, hein, de toute façon. Je sais pas pour vous, hein, mais... c'est de la bonne propagande, hein, s'il y a la musique. Hein. Bon, allez, c'est parti, j'en ai marre. J'en ai marre de ta propagande, Sweetheart. Waouh, c'était vachement bien. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, je vais mettre 5 étoiles sur Metacritic. Et au moins quelques étoiles sur Allociné pour pouvoir dire que je suis un grand critique. Ah non, c'est dans le sens critique qu'il faut écrire pour pouvoir être un grand critique. Oulala, là là, je crois que je trash les critiques des films. Dur! Allez, venez, on va faire un vlog! Moi je mets 5 étoiles uniquement pour la musique, hein, perso. C'est un film propagandiste, mais quelle musique. Tu sais, je vois déjà le truc de la critique, tu sais, genre... ce film sans idéologie prôné par nanana nanana se retrouve accompagné d'une super soundtrack. Like and comment. De toute façon, on n'aime pas les films avec de la politique dedans. Ça fait un peu longtemps que je ne vous ai pas vu, vous quatre. Et juste le but de cette exhibition au cinéma, c'était juste pour la sauvegarde. Non, parce que la sauvegarde n'était pas là, c'est Marie qui nous fait la sauvegarde. Là, en fait, on a juste regardé un film. Que regarde Sweetheart, et en fait, là, on est dans le château de Sweetheart. Et en fait, elle dirige d'une main de fer les pouces taupes. Main de fer dans un grand de velours, si vous voulez la référence de cette expression. Je sais plus c'est quelle pièce de théâtre. Et du coup, c'est de la propagande, clairement. Alors, vous êtes bon à rien, je suppose, enfin, grosso modo, si vous allez faire encore des bêtises. Avez-vous appris la leçon de s'aventurer après vous être aventuré dans les tunnels? La prochaine fois, vous serez pas si chanceux. Excusez-moi, hein, madame, hein, au revoir. C'est ici, la queue? Comment vous faites que... Attends, comment... Oh, there, they make me wait.
qu'est-ce qu'ils osent de me faire attendre? Je suis un invité estimé, un VIP, you know. Bonjour, vous êtes là pour vous taper ou pas, monsieur, vous? Je ne sais pas ce qu'on m'a dit. L'amour de Sweetheart est aussi doux que l'or. Bah, oulala, vous êtes brainwashés, les gens. Allez, allez, salut. Oh non! En fait, j'ai l'impression que là, on a, je sature un peu de moyens. On va faire une pause. On va faire une pause vite fait. Là, il est quelle heure? Il est 17h16. Non, en fait, on va retrouver Marie et je vais. Et Nibbler, t'es toujours là de toute façon. Parce que là, je vais pas y arriver en fait. Oh! Ça fait 2 heures déjà en plus. Enfin, ça fait moins de 2 heures parce que je. J'ai montré un petit docu. Oui, avec ça a scotché, mais il est bourrin. C'est Marsha. Le magicien, c'est Lucius. Ouais, je pense qu'on va, on va tester pour voir si l'Avermedia fonctionne. On va tester Destiny. Au moins de créer le personnage pour voir si tout fonctionne bien. Parce que j'ai pas joué à Destiny, hein, c'est juste pour ça, hein, c'est juste pour tester. Les jeux à 2 balles. Qu'est-ce que t'en penses peut-être de faire une émission qui s'appelle Les jeux à 2 balles? Waouh, on fait que monter des niveaux, en tout cas c'est bien. Hein. En fait c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours des passages chiants dans les RPG. Bon attendez, je passe par là. Non, laissez-moi passer. Attendez, on n'est pas passé par ici tout à l'heure. Attendez, est-ce que Marie est là? Oh là là. Bon, ce sera pour plus tard. Moi je trouve ça nul. Je sais pas pourquoi, j'aime bien me faire rire tout seul, tu vois, en disant les jeux à 2 balles. Mais il y a des gens qui vont me prendre mal, tu vois. Parce qu'ils aiment bien, je pense, les jeux à 2 balles. Ouais, c'est ça, les jeux à 2 balles que tu peux trouver dans les trucs discount. Après, tu vois, c'est un peu dommage parce que c'est... C'est du physique aussi, peut-être que les gens ils ont maintenant plus l'habitude d'acheter. Oh là là, mais Lucius, t'abuses. Oh, il m'a fatigué là. Casse-toi. Les jeux à 2 balles en ce moment. C'est un peu long comme titre. Même déjà les jeux à 2 balles, je trouve ça long. En fait, j'ai beaucoup de mal à trouver les titres d'émissions pétées comme ça. Seconde main. Ça fait pas bizarre? Ah, on n'a pas pris l'ascenseur. Bon, notez la prochaine fois, on fait l'ascenseur et là où il y a trop de monde avec la sweater en glace. Ah, on peut plus rentrer? Ah, ouais, hop. On va peut-être récupérer les thunes quand même. Hein. Soyons gratteurs jusqu'au bout. J'ai rien fait. On est sorti du truc, on a fait le tour. J'ai fait rien du tout en 2 heures. On a fait que level up. Je suis profondément désolé. Malaise, quoi. Hein, malaise. Bah, s'il est passé, tu l'appelles juste seconde main, Tammy. Ouais, seconde main, je sais pas, perso. Je sais pas si c'est... Voilà, bon. Je suis désolé, hein, mais on va s'arrêter là. Je sens que physiquement, mentalement, je suis plus enclin à créer un personnage plutôt que avec Nibbler que à continuer au Mori. C'est un peu compliqué. Alors je vous mets la musique. Hop. Ça va bien avec Chipstream.
J'aime bien comment t'as écrit ship stream. Arrête de shipper. Je peux pas l'écrire en anglais, pourquoi? À skip? Pourquoi? C'est l'automode? Attends. J'arrive sur Twitch là. On va faire un sauvetage. C'est l'automode qui fait ça? Moi j'ai pas vu l'automode passer. C'est quel bot qui a réagi? Bon, au revoir Steam. C'était cool. Tu m'as envoyé un super achievement où je devais tuer le sous-chef. On a fait de la cuisine hein, d'ailleurs, rappelez-vous. Désolé YouTube, des bisous. Au revoir. La prochaine fois on fera mieux. Et on a des choses à faire de toute façon. Je quitte Steam, y'a pas besoin de Steam. Ah non mais c'est moi ça. Alors automode c'est où déjà? Aucun bot? Comment ça? Y'a personne qui l'a dit, tu peux pas écrire chipstream. C'est quoi le message grisé? Attends je regarde. Parce que normalement quand il est grisé c'est que c'est automode qui l'a géré. Là il a dit non. Y a pas de problème apparemment. Vas-y réessaye. Là je suis dessus. Non, on dirait qu'il est pas passé, mais je sais pas pourquoi. Your message wasn't posted due to conflict with the channel moderation settings.